Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Aujourd'hui, la Betty Boop, voilà, de la boutique FG Normal. Elle avance super bien. Il me reste plus que la partie du bas à faire. Voilà. J'ai fait les trois quarts déjà. Bon, c'est un petit kit, hein, donc elle va très vite à faire. Donc, je rappelle, c'est un kit donc carré 30 sur 30 avec des perles rondes. Donc, ça va très très vite à faire. Bon, je pourrais le faire plus rapidement, mais bon, je ne fais pas plus de 2 heures dessus. Déjà pour le dos, hein, hop, à faire comme mon kiné me dit, il faut faire des étirements pour le dos. pour le dos et puis aussi les yeux. Donc souvent je fais en moyenne 2 heures, 2 heures et demie par jour. Et donc ça me va bien comme ça. Ça sert à rien de courir, hein. C'est un loisir, hein, c'est pas une compétition. Alors aujourd'hui vous allez voir avec pendant que je fais ce kit, j'utilise tout autre chose que les stylets qu'on utilise d'habitude. Alors vous m'avez déjà vu utiliser les stylets roses, hein, les blancs avec la petite mousse bleue, les stylets aussi avec la pâte Fimo autour. Voilà. Et j'ai retrouvé dans ma caverne d'Ali Baba, qui me sert d'atelier, le tout premier stylet que j'avais acheté quand j'ai débuté en diamond painting. Ça faisait un moment que je cherchais et je voulais le ressortir, retravailler avec, et je ne le retrouvais plus. Et enfin, quand il n'était pas dans mon atelier, il était dans ma trousse, dans la salle de bain pour faire les ongles. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je n'en sais rien. Mystère et boule de gomme. Bon, enfin. Des fois, on range des trucs et on se demande comment ça a fait pour atterrir à cet endroit-là. Donc, je pense que vous aussi, ça a déjà dû vous arriver. Donc, voilà. Je vais vous le montrer. C'est ceci. Voilà. Un jewel picker. Bon, mon anglais est toujours aussi mauvais, hein. Voilà. Alors, au bout, hop, voilà ce que c'est. Donc, c'est pas moi qui l'a mis, hein. C'est déjà dessus. Donc, on n'a pas besoin de recharger de la glu dessus. Bon, là, il est déjà vieux, donc il est un petit peu usé au bout. Alors, je vais essayer de vous montrer comme je peux. Vous voyez, on voit, ça fait un peu flou. Et vous voyez, il y a un petit point blanc au milieu. J'essaie de faire au mieux, hein, pour que vous voyez. Bon. C'est parce que là, il commence à être usé, mais il est très vieux. Je fais du diamond painting depuis... ça va faire 4 ans maintenant, bientôt. Et ce truc a 4 ans, donc j'en suis pas mal servie au début. Et puis du coup, après, il a traîné à droite à gauche pour finir dans ma salle de bain. Donc ça s'est usé, parce qu'en plus j'ai perdu le bouchon. Du coup, ça s'est abîmé, hein. Je vais d'ailleurs m'en recommander un. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Je vais peut-être me commander le nouveau modèle. Je vais voir. Il y a toujours celui-là qui existe, donc sur Amazon. Hein. Ça existe peut-être dans d'autres boutiques, mais bon, moi, je passe plus souvent par Amazon, parce qu'en plus, on reçoit rapidement. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors ça, c'est un stylet à la base qui sert justement pour les ongles. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est atterri dans ma salle de bain. Je ne sais pas. C'est un stylet pour mettre les strass, vous savez, tic, 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 sur les ongles.
Voilà, pour décorer les ongles. Ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a atterri dans ma salle de bain. Parce qu'il y a un moment où je mettais des strass sur mes ongles. Ouais, donc ça doit être pour ça. Donc ça sert, à la base, ça sert à ça. À se mettre des strass sur les ongles. Donc moi, je l'avais détourné pour le diamond painting. Donc j'étais en train de vous dire. Donc je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Alors, je vais vous mettre deux liens. Un pour ce modèle-là exactement. Donc avec une pointe. Et j'ai vu tout à l'heure, parce que du coup, avant de vous en parler, je regardais si ça existait encore. J'ai vu qu'il y avait un autre modèle avec une double pointe. Donc, il y en a une de chaque côté, une fine comme celle-ci et une un petit peu plus grosse, donc de l'autre côté. Donc, il y a un bouchon, hein, du coup, des deux côtés. Et je pense que je vais peut-être me prendre celui-là. En plus, ils sont au même prix tous les deux. C'est dans les 5 euros. Pardon. Parce que quand je fais les diamond painting spéciaux, vous savez, des fois on a des grosses traces, tout ça. Et ben, du coup, en ayant une pointe plus grosse de l'autre côté, je pense que ça va me changer la vie. Voilà. Mais j'adorais hein, ce stylet. Et là, j'ai fait, ben, vous verrez tout à l'heure. Bon, là, du coup, comme il est un peu usé, vous verrez, hein, par moment, ça patouille. Mais c'est normal, parce que, comme je vous répète, comme je viens de dire, il est un peu usé. Donc, la pointe n'a plus de caoutchouc au bout. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments, vous voyez que je perds mes perles, Donc là, c'est tout à fait normal. Mais quand il est tout neuf, pas abîmé du tout, ça fonctionne nickel, hein, super bien. Et du coup, plus besoin de mettre de la glue tout le temps, ou même la pâte à fixe, parce que je sais que certaines d'entre vous utilisent de la pâte à fixe. Du coup, là, il n'y a rien à mettre. Hein, vous le prenez, puis hop, direct pour faire votre diamond painting. C'est vraiment nickel ça. Hein. J'en avais peut-être déjà parlé au tout début de mes vidéos. Je ne me rappelle pas. Je ne sais plus. Mais bon. Donc là, je vous en reparle maintenant, du coup. Si j'en ai déjà parlé ou pas. Pardon. Donc, voilà. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Vous en faites ce que vous voulez après. Vous en commandez un, vous en commandez pas. Mais je suis contente de l'avoir retrouvé. Et du coup, là, je vais me recommander peut-être les deux. Je vais me recommander un comme ça et un avec la double pointe. Parce qu'en fin de compte, j'aimais beaucoup travailler avec ça. Aussi bien sur les perles carrées que les perles rondes. Hein. Ça allait nickel sur les deux. Et bon, par contre, sur les diamants spéciaux, du coup, j'ai jamais essayé puisqu'à l'époque, j'en avais jamais fait. Mais c'est pareil, ça va aller nickel. En plus, avec la double pointe, la pointe qui est plus grosse, ça va aller nickel pour les attraper et les coller directement sur la toile. En plus, il est hyper léger, hein. Ça pèse rien, celui-là. Il pèse vraiment rien. Donc, vous n'allez pas avoir mal aux doigts ni rien. Et comme il est très fin, si vous avez envie de mettre une mousse bleue, autour, vous avez les petites mousses bleues qu'on a, ça va passer, hein. Vous pouvez mettre une mousse bleue autour pour vos doigts si vous le souhaitez. Ça passe parce que ça a le même diamètre que les stylets que l'on a pour le diamond painting. Voilà. Donc voilà. Donc je vous mets en barre d'infos les liens. Pour retrouver ça sur Amazon. Et moi, en tout cas, là, je vais me recommander les deux, du coup. Je suis super contente d'avoir retrouvé celui-là. Bon, je ne vais pas le jeter, hein, malgré qu'il est usé. Il peut encore me servir.
Vous verrez, hein, j'ai fait toute ma partie avec, donc il va très bien. Bon, il y a juste que comme il est usé au bout, par moment, je perdais un peu ma perle. Mais bon, ça, c'était pas très grave. Voilà. Bon. Donc, voilà. C'était ma petite astuce du jour. Donc, avec ce stylet. Du coup, là, avec ça, vous n'avez plus besoin de colle rose, là, la glu rose, et ni de pâte à fixe, si vous utilisez la pâte à fixe. Voilà. Bah, je vais vous laisser visionner du coup ma petite vidéo du jour. Pardon. Moi, après, il est quelle heure? 3h, ça va, j'ai encore le temps. J'ai rendez-vous chez le kiné à 5h30. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir à ce moment-là. Maintenant, il pleut tous les jours, mais bon, c'est parce que j'aimerais pas qu'il pleuve au moment où je vais chez le kiné. Là. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je verrai. Je vais peut-être faire aussi, bah, avec le grand, il faut que j'avance dessus. J'ai du mal à me remettre sur mon grand diamond painting. Je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à m'y remettre. Mais bon, je en ferai vraiment petit bout par petit bout. Mais bon. Il y a des jours comme ça. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et là, je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Bisous, bisous. À bientôt. Thank you.
Thank you.